C'est pas exactement. Dans le mot connaissance, il y a le mot connerie. C'est vrai. Alors, et c'est pas tellement important cette histoire de connaissance. C'est plutôt une histoire de sensibilité. De sensibilité personnelle. Comme disait Max Ernst, il disait, je n'invente pas et je n'ai pas d'idée, je découvre. Ouais. Et je trouve que c'est drôle si j'ai des amis qui font aussi des découvertes. Mais il n'y a pas de suggestion. Non. Je ne leur dis pas ce qu'ils doivent penser. Ça, c'était Maxence. Maxence, il était aussi pataphysique. Non, la pensée, c'est dangereux. La pensée, c'est la maladie de l'être humain. Malheureusement, on ne peut rien y faire. C'est ce qui nous conduit à la merde de la campagne. Parce qu'on pense. Si on ne pensait pas, on vivrait. Mais malheureusement, c'est celui-là que l'être humain pense. Malheureusement, on n'a qu'à regarder simplement. Qu'à se retourner de droite à gauche, lire le journal ou n'importe quoi, on voit ce qui se passe. L'être humain est malade à cause de la pensée. Responsable en... Non, justement, on croit à la pensée que c'est quelque chose qui est très dangereux. C'est pour ça que les gens s'entretuent à droite, à gauche. De l'écraser les autres. C'est comme ça. Je sais ce que je dis maintenant. Ça emmerde beaucoup de gens, certainement. La plupart des gens sont d'accord, mais je crois que c'est comme ça, à mon avis. À partir du moment où la pensée s'est développée chez l'être humain, c'est devenu une maladie. Je dirais plutôt un fardeau. Pardon ? Un fardeau. Quelque chose de lourd, pesant. Non, on ne peut pas s'en débarrasser. Non. Parce que tu parles, vous parlez de l'intuition. L'intuition, ça a l'air très bien, mais est-ce qu'il y a la pensée derrière ou pas? Ah, voilà. Là, c'est pas la même chose, c'est plus de l'intuition. Hein? Non. Ah, non. Ben moi, c'est un équilibre, en fait. L'intuition, c'est un équilibre entre les connaissances personnelles. Non, 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 mais je disais l'intuition contre la pensée. Ah, d'accord. Si on a l'intuition du petit lapin qui court dans la prairie, ou du cerf qui se balade dans la forêt, cette sorte d'intuition, c'est ça qu'on aimerait bien avoir. Malheureusement, on n'a plus. C'est l'expérience, en fait. Non, c'est de savoir ce qui se passe, de réagir à ce qui se passe autour de soi. On revient à l'architecture aussi, à vous, à l'art en général. Mais c'est pas généralisé à ce moment-là. C'est plutôt des exceptions qu'on peut voir. Mais c'est bizarre aussi, comme toute la réaction du public ou des publics. Ça change beaucoup de choses et pas d'une façon très agréable. Bien que ça peut prendre, c'est à l'heure. Maintenant, je suis en train de mettre de l'ordre dans mes choses parce que je les change. Mais c'est une forme de désordre aussi. Je change le désordre pour un nouveau désordre. Ouais, voilà. C'est ce qu'on fait, parce qu'il n'y a pas d'ordre sans désordre. C'est pas possible. Il y a une certaine satisfaction de retrouver des choses dans un certain ordre. Oui, et ça change aussi. Parce que je m'en rends bien compte, parce que il y a des choses que j'ai mis en avant, d'une certaine façon. Maintenant, quand je cherche quelque chose, je ne le trouve pas. Parce que la façon dont je cherche maintenant, ça ne correspond pas à cet ancien ordre. Donc, ça prend un moment. Quand je remets les choses en place, je jette des choses que j'ai gardées, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Ben, c'est un petit peu pour ça que j'ai fait le bouquin. Alors, le dernier bouquin, c'est que je voulais mettre de l'ordre dans mes idées, l'ordre dans ma vie, l'ordre et de savoir, avoir une perspective un petit peu de recul. Oui, c'est ce que je pense, j'ai compris. Ouais. Bah, justement, la chronologie que vous avez maintenant, naturellement, cette chronologie pourrait changer un peu, avoir des poids différents. C'est possible. Et de faire quelque chose de nouveau, qui continue, je ne sais pas encore. Mais quand j'aurai fait mon bouquin, j'aurai une meilleure vision de travail. Oui, je pense, des fois, on se retourne, on regarde quelque chose, on dit, mais pourquoi j'ai fait ça comme ça? Naturellement, je n'arrive pas de faire ça. Parce qu'on a changé. Oui, voilà. Tout simplement. Mais moi, j'aimerais bien développer, j'aimerais bien vous m'aider à développer l'idée de l'irréalisme. Est-ce que vous avez compris un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, l'irréalisme? Oui. À part cette définition du isme traditionnel de mettre dans une cage quelque chose en fait qui n'est pas possible de mettre dans une boîte ou dans une cage. L'irréalisme, c'est pas ça en fait, c'est tout à fait le contraire. C'est de prendre ses distances. Je crois que prendre ses distances, c'est ce qu'il faut faire. Parce que tout le milieu dans lequel nous vivons, c'est policier, n'est-ce pas? Donc, il faut prendre ses distances. C'est nécessaire. On a vu qu'il me disait qu'il fallait faire la girafe. Hein. Ça veut dire qu'il faut voir d'un autre point de perspective, d'une autre hauteur, pour pouvoir mieux globaliser la totalité, en fait. Comme disait Arabin, qui est plutôt petit, Arabin, il n'est pas grand. Il est dans le commun de pataphysique depuis quelques années. Ah, d'accord. Mais Raymond disait, on a sorti des timbres il n'y a pas longtemps, c'était au commencement qu'il était dans le collège, et il avait dit, nous sommes dans la merde jusqu'au cou. C'est pour cela que nous marchons la tête haute. Mais c'est problématique, toute cette chose avec la conception libre et le fait d'aller voir ce qui est fait. Chacun est un individu, tout le monde. Et les gens découvrent des choses différentes dans ce qu'ils voient. S'ils sont vraiment intéressés, c'est la découverte de quelque chose qui est personnel pour eux. Mais, s'ils ne sont pas intéressés, là, le passage de généralité, ça c'est du cubisme, ça c'est du truc, ça c'est etc. Ça c'est machin, c'est des trucs de machin, etc. Bah, expliquez-moi un petit peu, Christian, votre travail sur la pataphysique, c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui sont venus du surréalisme et qui sont devenus des pataphysiciens à la place. Par exemple, Raymond elle a été du surréalisme et la pataphysique. Alors la pataphysique, bon, on dit la pataphysique, mais la pataphysique, ça n'est pas une définition. On n'a pas de définition. C'est simplement, justement, de se libérer de cette définition.